Salut tout le monde, alors on se retrouve pour un tuto pour comment avoir Flora des boss du désespoir. C'est facile et difficile en même temps, vous allez voir pourquoi. Alors pour avoir Flora, il vous faut battre les rôles du désespoir. Les rôles du désespoir, en fait, c'est une équipe qu'on débloque après avoir battu Ragna. Ensuite, après avoir battu Ragna, je sais plus quel personnage dit ça, mais il va dire que ouais, il y a Nazma, Jacob et Lucian sur le stade du sacre. Ensuite, dès que vous les aurez battus, vous avez moins de chance, ça va vous téléporter, il y aura une sorte d'un nouvel endroit. Ça s'appellera la prairie hétéroclite. Donc voilà, la DS quoi. Alors, la prairie hétéroclite. Voilà. Alors, pour aller à la prairie hétéroclite, désolé si je filme pas la 3DS parce que ça va rendre une qualité de merde en fait. C'est pour ça que je monte pas la DS. Je suis désolé d'avance. Hein. Mais c'est mieux d'expliquer comme ça, vaut mieux avoir la qualité comme ça, au lieu qu'il y a vraiment de la merde, etc. Alors, pour aller, vous allez atterrir à la forêt distordue, il y aura trois défis comme ça. Vous longez la forêt distordue, vous continuez sur les endroits, enfin, c'est bizarre, enfin, c'est distordu quoi. Et en même temps, si vous avez la clé en or, voilà, si vous avez la clé en or, vous longez le côté vert de la prairie, le côté vert où vous rencontrez Flora, si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, vous longez le côté vert vers la droite, longez comme ça, voilà. Il y aura un endroit, un petit chemin qui va aller sous la cascade, il y aura un coffre en or avec l'esprit guerrier de Zodiac de Van Ark. En même temps. Voilà. Ensuite, quand vous aurez fait ça, vous continuez jusqu'au fief du chaos et vous montez les échelles jusqu'au terrain oublié qui sont aux alentours du niveau 65. Donc moi je les ai finis avec un niveau 62 je crois, avec un 10-0, mais franchement vous allez voir, à la première mi-temps c'est pas dur du tout, mais ensuite à la deuxième mi-temps vous allez voir pourquoi tout le monde le fera, enfin vous allez voir. Ensuite quand vous aurez fait ceci, voilà, alors quand vous les aurez battus tout ça, vous retournez au terrain oublié. Il y aura un petit PNJ qui va dire oui, je vous présenterai volontiers les fleurs du danger et tout ça. Ensuite, vous avez tous les joueurs, tous les duplicants de Aster. Sauf Aster et Flora en fait. Vous les aurez pas comme ça en fait. Flora. Du coup, pour les avoir, entre autres, pour les avoir, vous allez acheter vous allez acheter Camomille et Pissenlit. Les deux, voilà. Pour Camomille, c'est un peu plus difficile, mais pour Pissenlit, ça va. Alors pour Pissenlit, je sais pas, parce que moi j'ai acheté les deux comme ça, random, j'ai débloqué Aster et Flora. Alors, pour les deux, pour Pissenlit, le bouquet de fleurs, il faut, et la marmite fumante. De toute façon, je vous mettrai tout. Les listes des photos en fait, entre autres, des photos à prendre dans la description. Alors il vous faudra le bouquet de fleurs et la marmite fumante. Alors pour avoir le bouquet de fleurs, il faut aller je sais plus où il faut aller à l'époque du roi Arthur, voilà, au royaume de Log. Vous allez à Camelot. Vous allez à Camelot, ensuite vous irez au stade de Camelot,
Et dans le coin, il y aura un défi avec. Ils vont vous goûter le bouquet de fleurs, quoi. Donc voilà. Ensuite, dès que vous aurez le bouquet de fleurs, il vous faut la marmite fumante. Pour avoir la marmite fumante, il faut aller à l'époque de Wari, à la province de Wari, où travaille, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Katsu, voilà. Katsu. Où il y a le truc de tofu et tout ça. Vous rentrez dans le magasin, ensuite vous faites une photo. Et voilà. Ensuite, dès que vous aurez les deux, vous pourrez acheter Pissenlit qui est à 4000 points. Ensuite, pour Camomille, il vous faut Pissenlit. Vous aurez Pissenlit et Orchidée. Orchidée, il vous faut le bouquet de fleurs et la photo du foyer. Le foyer, je ne sais pas où il se trouve, mais comme je l'ai dit, je vous mettrai les photos dans la description. Voilà. Ensuite, pour dès que vous aurez Orchidée et Pissenlit, vous achèterez Camomille. Du coup, ensuite pour avoir Camomille, il faut Pissenlit, Orchidée et un magnifique portrait. Du coup, voilà, un magnifique portrait, je ne sais pas où il se trouve, je sais pas. Mais je vous mettrai les photos dans la description. Je vois combien de fois je l'ai répété, mais c'est pas grave. Ensuite. Je sais pas si ça se débloque, mais si ça se débloque pas, vous achèterez les autres joueurs. Je sais pas. Ensuite, moi j'ai acheté Lotus et Magnolia. Voilà. À l'ouest, c'est Fuchsia. Voilà. Les seuls qui restent là, qui sont disponibles, c'est Tulip et Lila. Et les deux, j'ai pas acheté que dalle. Voilà. Ensuite, à côté de Jean-Tian, vous aurez Aster et Flora. Alors, vous voyez, pour Flora, c'est pas cher, c'est 1400 points. Il vous faut Aster. Alors, pour Aster, il faut Lotus et Camomille. Pour avoir Lotus, il faut Aloès et Fuchsia et Moulin en Rune. Moulin en Rune, si je me rappelle bien, c'est où il y a l'île du sanctuaire. Voilà. Il y a un moulin quand vous continuerez sur la route de la cascade avant le stade. Ensuite, Camomille. Déjà, si vous avez compris le tuto. Ensuite, il vous faut l'histoire de famille. L'histoire de famille, je sais plus où il se trouve, mais je vous les mettrai en montage qui apparaîtra maintenant. Voilà. Ensuite, ça va être Aster et il vous faut Flora, Aster et Photo Virtuoso. Alors, Photo Virtuoso, on prend toutes les photos du jeu. Toutes les photos du jeu, je vous les mettrai dans la description. Voilà. Ensuite, si vous n'êtes pas sûr de tous les avoir, soit vous regardez dans la description, vous faites un contrôle F et voilà, soit vous allez dans aide, comme ça, ou index, je sais plus, et vous allez dans prouesse, il y aura fichier développé, photo virtuelle et tout ça. En gros, c'est ça. Ensuite, il vous faut le LBX Magazine. Le LBX Magazine se lootera. Il se loot quand vous aurez fini les roses du désespoir. Voilà. Et le vieux magazine de fou, je ne sais plus où il se trouve, mais je ne l'ai pas en montage ou à la description. Ensuite, vous aurez Flora. Voilà. Alors pour Flora, c'est. Voilà. Là je vais dans le joueur Flora. Voilà. Flora, elle aura direct son Mixmax de. Voilà. De rose noire, qui est au niveau 80. Et si vous êtes. Vous dites what, qu'est-ce qu'il y a et tout. Oui, quand vous faites X, il y aura quand même du chaos niveau X. Normal et ensuite attendez alors heureux voilà
interruption par la mer, voilà, génial. Donc voilà, comète du chaos niveau X et point plus plus plus. Voilà. Vous aurez compris quand on va faire X, elle a des stats de ouf en frappe et en vitesse. Donc là, chez moi, elle est niveau 64. Avec, avec 194 de frappe et 191 de vitesse, en gros, ça serait le plus haut avec la maîtrise 161. Ensuite, elle a un Kenshin, un esprit guerrier, de type défense, avec l'armure et tout. Voilà. Ça s'appelle Eris. Eris, en fait, si vous ne connaissez pas son pouvoir et tout, avant de le tester, vous allez dans technique spéciale et esprit guerrier, et G, quoi. Et ensuite, Eris, voilà, de type vent. Et qui a au total 330 de puissance. Donc c'est vraiment plus fort que, si je me rappelle, que Gormu. Et que Suke. Ouais. Ouais, voilà. Aussi fort que Suke et Gormu. Soit 320 les deux. Voilà. Aussi fort que Kudan. Aussi fort que. Enfin, voilà. J'aurais compris aussi fort que Posidon et Pandrage, tout le tralala. Tout le tralala. En fait, c'est Eris. Alors, la technique là, c'est une mur de ronce à 50 points de ce dernier et faveur de début. Ce Kenshin a une particularité, c'est que plus il y a de filles dans votre équipe, plus le Kenshin est puissant. Voilà. Ensuite. Pas bouger, ouais, voilà. Je vous mettrai ses stats et tout dans la description, ça, photos et tout ça. Ouais. Je suis désolé encore de ne pas avoir filmé la 3DS et de vous montrer les signaux de Flora et tout ça, mais bon, je veux pas avoir une qualité dégueulasse parce que là, je tourne avec le téléphone, c'est pas une qualité dégueulasse, c'est tout fou. Enfin, mon père est bien, quoi. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like, à me dire, à faire part de vos avis dans la description ou des questions et tout ça. Dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et tout ça. Si vous voulez m'inviter sur Skype, enfin, la vidéo et tout ça, Skype, je vous mettrai maintenant. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus pour d'autres tutos. Pour un autre tuto, peut-être que je sais pas, les tickets ou quoi, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse plus. Et voilà. Sur ce, je vous dis bye tout le monde et on se retrouve. Je sais pas quand. Et voilà. Allez, bye.